Hello, mes choubidous! Alors, je vais faire une petite recette sympa que je fais tout le temps. C'est ma recette depuis des années. Je vais mettre un petit peu de beurre dans la poêle et je vais rajouter aussi un petit peu d'huile. Parce que c'est comme ça permet au beurre de ne pas brûler. Et voilà, juste une petite pointe d'huile, c'est surtout pour que le beurre ne brûle pas. C'est très très important. Parce que sinon, si je mets que le beurre, eh ben, ça va brûler. Alors là, maintenant, j'ai mes saucisses, c'est des mini saucisses, c'est des chipolatas. Alors vous pouvez prendre des chipolatas de volaille, de ce que vous voulez. Moi, là, c'est du porc. Donc, je vais les couper avec la paire de ciseaux. Vous allez voir comment je vais faire, tout simplement. Voilà, avec la paire de ciseaux, je les coupe en tout petits morceaux. Jusqu'à ce qu'elles... voilà, je vais couper tout. Je vais rajouter une bonne pointe de moutarde, de mail. Je fais un petit peu dorer les saucisses et je vais rajouter du comté que je vais couper pareil au ciseau. Je prends mon comté, je vais enlever la croûte du comté et je vais prendre mon couteau et je vais couper en petits cubes, tout petits, que je vais rajouter dans la poêle. Au préalable, j'ai fait cuire les pommes de terre et maintenant je les prends, je les coupe en deux et je vais les faire dorer à la poêle. Donc je coupe les pommes de terre en deux. Je vais laisser mijoter jusqu'à temps que le fromage fonde. Donc là, je vais retourner un petit peu et puis faire en sorte que les pommes de terre soient bien grillées. Il me reste un petit peu de l'air d'ameur, eh bien je vais le mettre dedans. Je pense que ça va être super avec le l'air d'ameur. Le comté l'air d'ameur va donner une petite touche de pointe de sucré. Et puis voilà, c'est ce qui me reste. Donc du coup, je vais l'utiliser et je le mets dans la poêle. En fait, je vais regarder, je vais retourner les pommes de terre. Et puis, je vais regarder si le fromage, oh là 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 là, si le fromage croustille, c'est vraiment tout à fait ce que je voulais, le fromage qui croustille sur les pommes de terre. Je vais prendre un couvercle et je vais couvrir pour bien que le fromage fonde sur les pommes de terre et que tout ça croustille. Je vais rajouter le comté parce que j'en ai encore, hein, j'ai pas tout mis et là du coup je vais tout mettre. Cette fois-ci, je mets tout et je coupe tout en petits dés, encore en plus, pour que ça croustille beaucoup plus. Alors pour une fois, c'est un repas très calorique, hein, parce qu'il y a du fromage, il y a eu du beurre, il y a eu de l'huile, mais sincèrement, c'est délicieux. Ma recette est finie, saucisse au comté, et sincèrement, c'est une dinguerie. Donc je vous recommande, je vous dis I love you, je vous dis je te dis aussi un mot. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez en commentaire et si vous allez le faire. Bisous, bye bye, ciao! Garde le sourire, la 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 la.